Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pour Bébé en Livre. Bébé en Livre, c'est Booktube et la Blogo en Livre. C'est un événement que nous faisons chaque année avec plusieurs blogueurs, blogueuses, booktubeurs, booktubeuses. C'est hyper génial comme événement, moi j'adore y participer. Et c'est dans le cadre de Partir en Livre qui est la fête du livre jeunesse. Voilà, c'est une fête dédiée au livre jeunesse et ça a commencé cette année le 11 juillet. Ça dure 2 semaines à peu près et il y a plein d'événements partout en France. Des petits spectacles, des petites occasions de fêter le livre jeunesse avec d'autres personnes, d'autres passionnés du livre et c'est vraiment génial. Nous, voilà, les blogueurs, les booktubeurs, on se mobilise justement pour en parler et pour vous parler de livre jeunesse. Donc comme chaque année, je participe. Le principe est très simple. Pendant ce laps de temps où on fête le livre jeunesse, nous mettons en place une petite chaîne, mais pas une chaîne YouTube, une chaîne. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une vidéo ou un article sur un blog et on vous dit demain rendez-vous à tel endroit, etc. Et ça se suit pendant tout ce temps. Et voilà, c'est trop génial. À côté, on a aussi un énorme concours avec des tas de livres, mais vraiment des tas de livres à gagner. Vous qui me demandez souvent si je fais des concours, bah là, sincèrement, ce concours-là, mais participez parce que là, vous avez mais un large choix de romans. Je vous mets le lien en barre d'infos avec tous les autres lien sur nos réseaux sociaux de Bébé en Livre, donc voilà, n'hésitez pas à aller cliquer barre d'infos pour gagner des livres, oulala. Donc chaque année, chacun fait ce qu'il veut en fait, mais il faut qu'on parle de littérature jeunesse à un moment ou à un autre, et moi je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'un truc un peu particulier, même si ce sont des livres dont je vous ai déjà parlé, que normalement vous connaissez déjà, mais les personnes qui ne les connaissent pas vont les découvrir. Aujourd'hui je voulais vous parler de verre. Mais pas de verre de terre, ni de verre dans lequel on peut boire. Je voulais vous parler de verre littéraire, de verre dans la littérature et plus particulièrement des verres dans la littérature jeunesse parce que c'est particulier, parce qu'on en voit très peu et que personnellement j'ai lu 3 romans en verre libre, en littérature jeunesse et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Les voici, ces 3 petites beautés qui nous font passer des moments poétiques et magiques. Il y a Inséparable et Swimming Pool de Sarah Crossan qui n'est pas française et donc qui a été traduite par Clémentine Beauvais et Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Une omniprésence de Clémentine Beauvais donc. Songe à la douceur, je vous en ai déjà parlé, il est même apparu dans des vidéos citations parce que c'est un magnifique, magnifique, magnifique roman en vers libre. C'est une histoire d'amour, c'est inspiré de Eugène Onéguine de Pouchkin. Il y a aussi un opéra de Tchaïkovski sur cette belle œuvre de Pouchkin et Songe à la douceur. Peut-être que ça vous rappelle un poème. Dans tous les cas, Songe à la douceur, c'est l'histoire de Eugène et Tatiana qui ont vécu quelque chose lorsqu'ils étaient jeunes, quelque chose qui ne semblait pas si important que ça, et qui vont se recroiser par hasard des années plus tard, lorsqu'ils ont une vie, lorsqu'ils ont un avenir, lorsqu'ils ont un métier, et tout va être chamboulé dans leur vie, surtout pour Eugène qui vraiment le vit très difficilement. Il a vraiment le sentiment d'avoir laissé passer une occasion en or dans sa vie, d'avoir pu laisser partir Tatiana, et là il se dit, c'est le destin, on se retrouve, et ils vont vivre une histoire dont je ne vous dis rien, que vous pourrez découvrir, et en même temps on redécouvre leur passé, tout ce qui a pu se passer avant, et pourquoi ne sont-ils pas restés ensemble, pourquoi il y a eu cette sorte de tension, ce petit froid entre eux qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est produit il y a longtemps et on ne sait pas quoi, et lorsqu'on le découvre, on... waouh. Et le tout est évidemment rythmé par une plume sublime, une plume poétique, on a l'impression de lire ce livre, en fait on le lit à voix haute dans notre tête. Ou alors il faudrait carrément le lire à voix haute parce que c'est tellement beau. On a l'impression de chanter une petite chanson si mélodieuse, si merveilleuse que vous ne pouvez que lire ce roman qui est juste magnifique. Puis Sarah Crossan a écrit 2 livres qui m'ont rendue totalement amoureuse de sa plume et amoureuse de cette autrice absolument fabuleuse. Inséparable et Swimming Pool. J'ai commencé par Inséparable qui est une histoire assez particulière. On y suit 2 sœurs siamoises qui ont chacune leur haut du corps personnel mais qui à partir du bassin ont les mêmes jambes et le même bassin. Et à cause d'un souci d'argent, elles vont être obligées d'aller dans une véritable école et d'arrêter d'avoir des cours particuliers chez elles. C'est hyper dur pour des siamoises de se dire qu'elles vont entrer dans ce monde... de l'école qui n'est déjà pas évident pour les enfants qui n'ont pas spécialement de particularités physiques, mais là en l'occurrence elles ont vraiment la totale et elles le savent, et évidemment toutes les deux elles se sont toujours dit qu'elles resteraient unies pour toujours, que pas de place à l'amour parce qu'évidemment à deux on peut difficilement vivre une histoire d'amour, sauf que l'école, les rencontres, ça provoque plein de choses et c'est un livre vraiment sublime qui va vous faire rire et vous faire pleurer, qui va vous faire sourire et qui va vous
vous touchez et la plume de Sarah Crossan et la traduction de Clémentine Beauvais, ça donne quelque chose de sublime. J'aimerais vraiment le lire en VO pour réussir à comprendre peut-être déjà et surtout pour voir ce que ça donne en VO, ces vers justement. Et enfin Swimming Pool de Sarah Crossan, encore une fois traduit par Clémentine Beauvais, encore une fois, et sur un sujet très d'actualité, très fort, très puissant, et rien que pour ça je vous le recommande énormément. Ça parle de l'exil et ça parle de l'intégration dans un nouveau pays. Et on suit Kasienka qui est polonaise et qui déménage en Angleterre. Et l'intégration c'est très difficile, j'ai trouvé ça très intéressant parce que personnellement je n'ai presque jamais lu de roman sur l'intégration d'une culture dans un pays qui vit avec une autre culture, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de suivre ce personnage qui en plus de ça va être guidé par une histoire d'amour mais aussi par un problème familial et sa mère qui elle aussi évidemment va pas forcément très bien vivre ce changement soudain de culture, de vie, d'habitude, et c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé ça très beau et encore une fois rythmé par le vers libre, ça donne une lecture poétique qui nous marque. Pour le sujet je pense que ce livre est très important, d'actualité et à lire, mais c'est vrai qu'Inséparable m'a plus touchée profondément. Je ne saurais pas forcément dire pourquoi, mais au niveau de la plume et de tout le reste, c'était vraiment mon petit coup de cœur. Mais Swimming Pool reste quand même une excellente lecture que je ne peux que vous recommander, surtout si le sujet vous intéresse. Et de toute façon, le sujet doit vous intéresser parce que c'est primordial à notre époque de lire ce genre de roman, parce que c'est très important de voir que changer de pays, c'est pas facile. Et qu'au contraire, il faut aider les gens à s'intégrer et ne pas les repousser et finalement les laisser seuls dans leur coin, parce que c'est très mauvais pour eux, c'est très mauvais pour leur intégration et aussi pour l'amour qu'ils vont ensuite porter à leur pays. Leur nouveau pays. Voilà, le vers libre c'est quelque chose de magnifique. Sincèrement pour moi ça change toute une lecture, ça rend la lecture totalement différente. C'est une expérience de lecture que je vous recommande vivement. Au niveau évidemment de la mise en page, c'est totalement particulier. Pour ce qui est de Clémentine Beauvais, on a vraiment une mise en page avec des tas d'alinéas si je puis dire. Et quand on a des dialogues etc, c'est très bien fait, j'ai vraiment adoré la manière dont c'est fait. Il y a une page particulièrement connue que je vais quand même vous montrer sans vous dévoiler, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a un très beau travail qui a été fait de mise en page et ça rend la lecture d'autant plus fluide. Le vers libre, sachez-le, ça ne bloque absolument pas nos yeux pour lire comme si on lisait un roman. Au contraire, j'ai été assez étonnée de la facilité avec laquelle vraiment mes yeux suivaient l'histoire et en fait notre cerveau s'y habitue très vite et a plutôt tendance à remarquer la magnifique harmonie du texte, sa mélodie, plutôt que de bugger parce qu'on doit passer souvent à la ligne. Sincèrement, ça ne se ressent pas du tout. Et pour les livres de Sarah Crossan, c'est un petit peu plus bref. En fait, on a vraiment des petites phrases, très petites, tout le temps. C'est très rare qu'elles soient très longues. Et j'adore aussi cette forme, j'adore aussi cette manière d'avoir écrit, cette manière d'avoir formé ces vers libres. Et ça donne juste quelque chose de sublissime. Vous ne pouvez que tomber amoureux et amoureuse de ces trois livres qui vous proposent une écriture juste sublime, juste atypique, que vous ne trouverez nulle part autre et que je ne peux que vous recommander. Comme quoi on peut lier poésie et littérature jeunesse, comme quoi la littérature jeunesse peut s'essayer à des tas de choses et comme quoi la littérature jeunesse regorge de plein de formes originales, de formes magnifiques et emprunte même la forme de la poésie qui pourrait être jugée comme une forme très ancienne, voire presque snob, mais qui non, justement, peut être traitée en littérature jeunesse et peut donner quelque chose de absolument fabuleux. Je vous les recommande, j'ai hâte de savoir en commentaire si vous allez les lire, si vous les avez déjà lus, donnez-moi vos avis. Demain, il faut aller sur le blog de Tom que je vous mets en barre d'infos parce que ce sera sur son blog qu'il y aura la suite de la chaîne de Bébé en Livre. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux de Bébé en Livre. Encore merci à Nathan du cahier de lecture de Nathan d'organiser ça chaque année parce qu'on ne pourrait rien faire sans lui, que c'est absolument génial de sa part d'autant s'investir dans ce projet et que vraiment il fait un truc grandiose et ça c'est juste incroyable. Et merci à vous de nous suivre et voilà, n'hésitez pas à nous soutenir sur ce projet, participer au concours, suivre tous les blogs et vous allez découvrir plein de blogueurs, booktubeurs, blogueuses, booktubeuses passionnées et ça, je vous assure, vous allez adorer. Bisous!